Allô? Donc, on va se lancer sur le numéro 60, E60 de la page 175, chapitre 5, dans la dynamique de translation. Donc, si on lit, c'est un bloc de masse M1 qui est suspendu verticalement, relié avec une corde avec une masse M2. Donc, le bloc de masse M2 qui est sur le plan sans frottement. On vous dit aussi qu'il y a un angle θ. Donc, si on a une masse de 2 kg ici, on a une accélération de 1,96 vers le bas. Mais si on change cette masse-là pour 0,5 kg, ben là, on a une accélération qui est vers le haut. On veut savoir l'angle qui est fixe, θ, puis on veut savoir la masse qui est fixe, M2. Donc, on a fait varier M1 seulement. Donc, on voit que si c'est 2 kg, ça va vers le bas, puis si c'est 0,5, ça va vers le haut. Donc là, ici, on n'aura pas le choix de faire deux équations, deux inconnues pour y arriver. Donc, je vais me faire deux dessins en fin de compte pour le faire. Donc, ici, je vais mettre 0,5 kg. Attends, je vais mettre ici kilo. Et ici, c'est la masse M2. Toujours avec l'angle θ. Et ici, je vais mettre 2 kg. Ce que je sais, c'est que quand je mets le 2 kg, j'ai une accélération qui est vers le bas de 1,96 mètres par seconde carré. Puis quand je l'ai ici, c'est vers le haut avec 1,22 mètres seconde carré. Donc, pour résoudre, comme je disais, on sépare le problème en deux. Donc ici, je vais commencer par cet objet-là, puis je vais y aller un peu plus rapidement là, ici, puisqu'on commence à être pas pire. Donc j'ai une corde qui tire vers le haut, j'ai une corde qui tire vers là, c'est la même corde, automatiquement. Pour ce qui est de lui, j'ai la gravité, puis j'ai la normale. Pour ce qui est du poids, on sait que c'est mg sin θ qui est la composante, hein, puisque θ se retrouve là, donc c'est mg sin θ qui est la composante qui va vers le x. Bon. En l'occurrence, pour ce qui est de cette formule-là, je vais mettre un axe comme ça ici. Donc l'axe des x pour lui va vers là et l'axe des x pour lui va dans cette direction-là. Donc si je commence avec lui, je me rends compte que je vais avoir le poids 19,6, 2 fois 9,8, moins t, c'est 1,96. Donc si on fait ça pour lui, donc j'ai 19,6 moins t est égal à 1,96 fois, excusez la masse fois 1,96, ça fait la même chose, mais 1, 2 fois 1,96, ce qui nous permet de trouver la tension t rapidement. 19,6 moins 2 fois 1,96, ça donne 15,68. Maintenant qu'on a trouvé T, je peux aller sur l'autre. Je me rends compte que la somme des forces pour lui, c'est T moins mg sin. Si vous avez besoin, faites votre diagramme de corps libre complet pour lui, comme je vous ai montré. Donc T moins mg, il n'y a rien d'autre en x. Vous voyez que c'est T qui est vers l'avant, hein, ici. Donc T moins m2g sin θ. Donc là, je connais G, donc je vais mettre en avant, je vais mettre 9,8 fois M2 fois sine de θ. Ça, c'est deux inconnus. Et ça, c'est égal à la masse que j'observe, M2 fois l'accélération de 1,96. Je vais mettre le 1,96 en premier. 1,96 fois M2. Donc, on a une première équation avec deux inconnus. Excusez, M2, pas M carré, là, M2. Première équation avec deux inconnus. Maintenant, si on veut être capable de résoudre, ça prend une deuxième équation avec ces deux mêmes inconnus-là qu'on va pouvoir résoudre. Donc, je m'en viens ici. Donc là, j'ai une tension T encore. J'ai une tension T encore. J'ai encore mg, m2g sin θ. J'ai encore le poids, mais cette fois-ci, c'est 9,8 fois 0,5, donc 4,9 newtons. Cette fois-ci, attention, l'objet monte dans cette direction-ci et l'objet descend dans cette direction-ci avec 1,22. Donc les équations vont être un petit peu différentes, hein? Puis c'est ça qu'il faut faire, c'est faire attention à faire du copier-coller quand vous faites vos solutions. Il ne faut pas faire copier-coller, il faut reprendre le numéro puis appliquer ce qu'on connaît. Vous voyez ici, c'est la tension qui est vers l'avant, puis c'est 4,9 qui est vers l'arrière. Donc ça va être T moins 4,9 qui est égal à la masse qui accélère. Donc j'ai T moins 4,9 qui est égal à 0,5 la masse
qui accélère à 1,22, ce qui va me donner une tension de 5,51. Un coup que j'ai la tension qui est 5,51, je fais le même principe que tantôt. Je vais aller faire ça ici. Donc en regardant ça ici, je vois que c'est M2G sin θ moins T cette fois-ci. Hein, c'est pas T moins, mais c'est G. Bon, c'est l'autre moins. Donc je vais encore là, je vais faire le même principe. Je vais faire 9,8 M2 sin de θ moins T, donc moins 5,51, est égal à cette masse M2 là qui accélère à 1,22. Donc la masse de M2 fois 1,22. J'écris 1,22 fois M2. Là, ici, je vais aller remplacer T par la valeur qu'on avait, 15,68, ça va être plus facile à visualiser. Et ça me fait deux équations, deux inconnues, vous voyez M2 puis sin θ. Quelle stratégie va prendre pour résoudre ça? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça? Ben, c'est une réduction aussi qui est plus facile. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez le même terme ici qui est là, qui est négatif et positif. Si j'additionne les deux équations ensemble, automatiquement, ces termes-là s'éliminent. Il va y avoir que M2 qui vont s'éliminer. Donc, je les additionne puisqu'il y a un moins et un plus. Donc, ils vont s'éliminer. Donc, ça fait ça plus ça. Donc, ça fait 15,68 moins 5,51 est égal à 1,96 M2. Plus 1,22 M2. Dix point 17 est égal à 3,18. Et on trouve M2 est égal à 3,19, donc 3,2 kilos. Donc, un coup qu'on a M2, on peut retrouver, là, on remet ça dans cette équation-là, de cette équation-là, puis on trouve θ, donc on trouve l'angle en tant que tel. Donc, ça résume pas mal la stratégie qu'on avait ici. On n'avait pas le choix. Faites attention quand on a deux situations qu'on vous nomme. Faites deux numéros à part, deux dessins à part, puis prenez le temps de faire vos équations pour les deux situations de façon séparée. Faites pas des copier-coller. Essayez pas d'aller trop vite. Ça va vous faire trop d'erreurs. Donc, je vous laisse poursuivre le numéro.